Je vais vous montrer un truc de ouf. Ça, c'était avant. Vous êtes prêts? 1100 euros plus tard. Tadam! J'ai acheté un objectif grand angle. Oui! Vous pouvez voir ma personne de manière entière. Je peux faire des positions et vous les voyez totalement dans leur ensemble. C'est peut-être un peu trop. Mais par contre, ça me déforme ma tête. Déjà qu'on était sur une forme particulière. Vous voyez même oseille. J'ai posé présentement sur ma clim que je ne peux pas allumer parce que sinon ça s'entend en micro. Je suis donc obligée de transpirer abondamment des aisselles. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve. J'ai remarqué à chaque fois quand je fais le montage que quand je fais ça, c'est problématique. On va essayer de contracter. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que ça fait 1000 ans que j'ai pas fait. Faites le français, c'est important, n'arrêtez pas l'école. En tout cas, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va tester le site Boohoo. Suis-je officiellement la dernière influenceuse à le faire? Probablement. Oui, bah oui, tout le monde l'a fait, mais moi je l'ai pas fait, donc chacun son tour, d'accord? Moi aussi j'ai vu des vidéos Boohoo de partout. Je me suis dit, mais... c'est quand moi? C'est quand que c'est moi qui fait ça? Je vous ai demandé sur Instagram, vous m'avez dit que ça vous ferait plaisir. Touk 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 touk, allô Boohoo, est-ce que c'est possible que moi aussi je fasse partie de toutes ces personnes? Oui, bah oui. Ah, vous voulez bien? D'accord, bah c'est gentil. 2 jours plus tard, c'est très lourd. Ah, c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse pour éviter que ma peau des bras pende. Je ne peux pas. J'ai augmenté mon taux de transpiration, qui était déjà bien trop élevé. Cette vidéo est donc sponsorisée par Boohoo. Est-ce que cela va m'empêcher de dire que certains produits sont de la merde si jamais c'est de la merde? Absolument pas. Est-ce que il faut qu'on arrête par contre? Quand même. Il faut que le plus égale plus de l'ENA s'imprègne de ma personne. Parce que je commence toujours ce genre de vidéo avec un truc négatif. Peut-être que ces vêtements sont magnifiques et sublimes et tout est bien. Mais il y a toujours des couilles un peu partout. Donc à mon avis, ça sera pas du 100%, mais je... positive, d'accord? Ça me fait une tête déformée, hein. Non, ça va déformer mon corps. Ça va peut-être former mon corps. On s'adapte. En fait, c'est juste le genre de site, à chaque fois que je vais dessus, je vois les meufs sur les photos. C'est des missiles atomiques. Moi, je suis là avec mon vieux corps de faille à 4, là, et je me dis, quand j'achète un vêtement, le corps, il est pas fourni avec. Donc, flemme de... voilà. On est sur deux salles de ambiance. Mais aujourd'hui, c'est le grand jour. C'est parti. Évidemment, comme c'est une vidéo test, j'ai pris un maximum de trucs différents pour justement qu'on teste un peu toutes les catégories. J'ai tout pris. Enfin, j'ai tout pris, c'est comme je le répète. C'est pas moi qui ai payé. Évidemment, qui dit vidéo sponsor dit code promo et ça fait zizir pour votre personne. Avec le code du coup, qu'est-ce qu'ils m'ont donné? Ah oui, Marine. C'est peu compliqué. Franchement, si vous vous trompez en le tapant, je peux plus rien pour vous là. Du coup, avec le code Marine, vous avez moins 20% du 11 au 25 août. Faites-vous plaisir. Il y a tant de choses. Alors je vois, première chose, et je crois c'est une robe blazer ou juste un blazer que j'ai pris moutarde. Est-ce que j'aime cette couleur? Avec une ceinture. Déjà c'est super épais, hein. Comment vous dire, ce n'est pas approprié à la saison. Oh, mais je kiffe cette couleur. Je veux m'habiller en jaune pour le restant de ma vie. Putain, je kiffe. J'ai coupé les petits trucs comme ça. Voilà. En ce moment j'ai une passion pour les trucs qui sont grave cintrés. Je sais pas comment dire. Bah si, je l'ai très bien dit. Grave cintrés. Hop. J'aime beaucoup. Regardez, c'est trop beau. Qui se rappelle quand je devais monter sur mon canapé et qu'on me voyait toujours pas en entier? J'ai besoin de faire ça. Bon les gars, je kiffe, hein. Ça, c'est validé pour l'instant. Oh ça. Oh ça, j'ai... oh. Évidemment, je vous mettrai du coup tous les liens et les tailles que j'ai pris dans la barre d'infos. J'ai pris du coup une chemise. Oh, j'adore. En fait, cette chemise... putain, mais du coup, c'est pas repassé. Qui est genre froncé à la taille. Trop chic, décontracté, tu vois. Je sais pas si on voit du coup les cache-tétons que j'avais. Y a vraiment plus de vie privée avec vous, hein. Les gars, j'adore. Bon, il faut que je la repasse. Oh, mais c'est trop beau. Je voulais trop une chemise, vous voyez. Ça fait un peu chemise que t'as piqué à ton père. Ou à ton mec, mais quand t'as pas de mec, tu fais comment? Bref, c'est trop beau, je kiffe. Et en fait, derrière aussi, pareil, c'est resserré. C'est validé, je valide. Ensuite, ah, une robe. Ah non, pas du tout. J'ai passé comment hier? Je me souviens déjà plus. C'est problématique quand même. Trop contente. C'est un petit caraco comme ça, satiné, avec un truc là sur le déco. Ouah, ça va être... j'adore. Je vous avoue qu'en ce moment, le streetwear est un petit peu... a un peu quitté ma vie. Je suis une nouvelle femme. Je prends des choses un peu délicates. Rentrer, c'est trop beau, les gars. Je sais pas si vous arrivez à voir la couleur. Ah, mais du coup, rentrer, je peux pas laisser pendre ça. Je sais pas mettre des trucs par entrée. Oh les gars, c'est trop beau. Oh, j'adore. C'est doublé au niveau des boobs. Et les bretelles, elles sont un peu élastiques. Les gars, c'est trop... j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez. Et franchement, c'est trop agréable, j'adore. Ensuite, ah, un premier accessoire. J'ai vu ce tout petit sac en perles. Je me suis dit, waouh, c'est adorable. Est-ce que ça rentre? Bim. Je trouve ça trop mignon. Je voulais pas un énorme sac parce que j'aime pas les gros sacs. Et j'ai vu cette toute petite pochette. Trop kiki. Avec ce petit top. Mais les gars, j'adore ce petit caraco. Très mémé. Ensuite, petit article noir. Parce qu'il en faut bien un dans un haul, hein, sinon ce n'est pas possible. Ah oui.
Bon, ça m'a l'air très grand. Putain, 34. Oh, ça va être trop beau. En vrai, je suis choquée parce que je vous avoue que souvent, quand c'est pas cher, la qualité, c'est un peu bof. Mais en vrai, la qualité, elle passe de ouf, genre. J'essaye immédiatement. Ça va, mon bibi? Bah ouais, moi aussi. C'est adorable. Oh, j'adore. Les gars, mais genre, c'est trop mignon. Et tout le dos est en mèche transparente. Après, j'aurais bien aimé que les manches soient un peu moins longues. J'ai l'impression que je suis noyée dans ce vêtement. En vrai, je kiffe, mais vous trouvez pas les manches, ça me fait bizarre. Ça me fait trop grand ou c'est le style du truc? Je suis mitigée. Aidez-moi, dites-moi. Ensuite, autre couleur que je kiffe en ce moment, c'est-à-dire vert. Qui le cru? Attention, pas n'importe quel vert. Le vert foncé. Ah, je crois que j'ai pris un truc kaki en plus. Et là, je vois un autre truc vert. Bref, je crois que j'aime bien le vert en ce moment. C'est une chômeuse. Enfin, c'est plus une blouse parce qu'elle est vraiment hyper fluide. Et qui Marcel? Loulou. Je crois qu'il faut que j'aille mettre un soutif. J'en reviens. J'avoue, j'ai pas choisi le soutif le plus transparent, mais j'avais la flemme. En fait, il y a comme des rayures de transparence différentes. Elle est trop belle. Mais il va falloir que je mette un soutif. Et ça, ça. Pff, je suis saoulée d'avance. Elle est trop belle. J'adore. En fait, ce que je kiffe, c'est qu'il n'y a pas de col. Trop beau, un peu satiné comme ça. Je kiffe. Je trouve que je vais grave dans mon décor. Ensuite, un autre truc vert. Je vous ai dit. Vous étiez prévenus. Ça, je me souviens. Ça va être trop mimi. Très petit, hein. Mais depuis quand ça me dérange? Petite manche comme as. Et le truc au niveau des boobs, il est comme ça. Ah! Putain, pète sa mère! Il y a des trucs antidérapants au niveau des seins. Oh, mais c'est grave ingénieux ça. Oh, cette couleur et ce truc de satin. Je ne veux que m'habiller en satin. Oh, c'est trop beau, mais c'est trop grand. Vas-y, j'en ai marre là. Je vous ai dit, corps de feuille à 4. Et deux bras là, que dis-je? Mais de coton-tige? Ça baille, ça tient pas. Est-ce que je tenterai pas quelque chose là? Hey, c'est pas du tout être censé être comme ça. Hein. Ça passe ou pas? Je crois que ça passe. Attendez, si ça se trouve, c'est vraiment comme ça. Ouais, non. Non, la madame, elle le porte pas comme moi. Je suis désolée, mais on tient quelque chose là. C'est le genre des trucs au montage et me dire pourquoi non et non de la vraie vie pour moi c'est ça passe hein. Putain, c'est trop dommage vraiment cette couleur satinée là je kiffe. Ensuite qu'avons nous ah oui j'avais vu la chemise blanche là vous savez un peu style chemise à papa et j'en avais vu une noire comme ça où c'est un peu différent en fait c'est torsadé devant je vais tester ah j'adore les gars je vis pour les habits chic décontractés ça y est c'est mon nouveau style vestimentaire c'est acté bon même si cela va sûrement durer deux jours avant que je remette mes gros suites vraiment les gars c'est trop beau je kiffe la matière je sais pas c'est en quoi je sais absolument pas ce que c'est mais c'est extrêmement confortable et j'apprécie. Rentrer comme ça. Ah mais regardez, je suis une petite femme d'affaires là. Trop beau, trop beau, trop beau, magnifique. Trop beau, je tiens un look. Ça y est, je tiens un look là. Trop beau. J'adore. Oula. Ah oui, hein, moi je suis en mode boobies apparent, mais il y a des boutons, hein, vous pouvez fermer, mais. On est quand même mieux comme ça. C'est validé. Je mets les robes de côté, on les essaiera après. Oh ça. Ça les gars, j'ai trop hâte aussi. Magnifique. Oh non, j'aime pas cette matière. Oh non. C'est pas un maillot de bain, c'est un body qui s'attache autour du cou. On dirait que j'ai un putain de bavoir. Promis, ça va être canon. Alors, je sais pas, ça me fait un corps bizarre je trouve. J'ai voulu tenter des choses hein. Là malheureusement, non, c'est pas du tout validé. Peut-être que certains d'entre vous vont bien aimer, dites-moi, mais moi je sais pas, non, je le mettrai pas. J'ai des épaules qui sont super développées et je trouve que là on voit que ça genre, t'es mes épaules. Je veux pas. Du coup je suis sûre que maintenant vous faites que les regarder. Arrêtez de regarder mes épaules. Non vraiment, oh, je ne suis qu'épaule là. Ah oui! Oh, je me souviens. Dos ouvert. Je pense que ça va être trop beau. Ah, ça va être trop beau. Ah, c'est trop beau. Ça y est, c'est trop beau. Putain, c'est trop beau. Oh, j'adore. Non, mais c'est trop beau. Regardez. Ah, c'est trop beau. Cette couleur, ça change. Non, mais les gars, c'est trop beau. Genre, vraiment, je kiffe les petites épaules là, comme ça. Et ce dos, trop beau. Oh non, c'est adorable. Je viens de dire encore adorable. J'ai soif, par contre. Je crois que c'est un de mes trucs préférés. En fait, ça change. J'ai vraiment pas du tout l'habitude de mettre des trucs comme ça. Genre, c'est adorable. Sachez que ce truc est ultra validé. Je kiffe. J'ai bientôt fini les hauts. Ensuite, on va pouvoir faire tout ce qui est bas, robe et tout. Trop beau, trop chic, je sais pas ce qui m'arrive. Oh c'est trop beau, oh là là. Est-ce qu'elle l'attache derrière elle? Non mais les gars, genre c'est trop beau. C'est trop beau, vous aimez bien, dites-moi que vous aimez bien. Si vous aimez pas, vous êtes bizarre. En fait il y a des petits trucs là qui resserrent pour faire les manches bouffantes. Ça fait comme une ceinture avec des petits boutons et un petit nœud comme ça derrière. Les gars c'est archi beau, genre vraiment. Wow. Oh mais là, what the femme. C'est le retour du petit sac en perles hein. Regardez, ça passe de ouf. C'est adorable, j'aime fort. Un petit haut blanc parce que ça faisait longtemps quand même. Bah soutif obligatoire. J'ai la flemme d'aller en chercher un blanc. On s'en fout, venez, je mets l'autre de tout à l'heure. Allez, c'est bon. Oh, c'est trop mignon. Faut définitivement que je mette pas ce soutif avec, mais regardez. Genre, c'est trop beau. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais en fait, il y a des petits points qui sont dorés. Alors, j'adore, mais on est sur un problème là. Parce que du coup, bah, pour mettre dans la vraie vie, c'est compliqué quoi. Si je tire en haut, ça va. Du coup, en fait, je pense que c'est juste qu'il est trop grand. Ah, mais d'accord. Bah, c'est qu'il est trop grand. C'est du 36. Pourquoi j'ai pas pris 34? Oh, je suis dégoûtée. En fait, 34, ça aurait tiré comme ça. Trop beau. Vas-y, j'ai envie de m'insulter.
Je me suis insultée dans mon propre cerveau. J'ai essayé tous les hauts parce que j'avais la flemme de remettre et d'enlever mon jean comme ça. Mon jean il va avec tout et voilà. Là j'ai pris un ensemble. Vous savez que ma vie les ensembles, ça évite vraiment de se prendre la tête hein, puisque le haut et le bas ça va ensemble. C'est le principe. Du coup je me suis pris un ensemble comme ça. En fait je voulais grave un truc nude. Je surkiffe, je kiffe. Le pantalon on va pas se mentir, on voit mon slide. Bon, j'ai mis un tanga qui a grave de la dentelle et tout, alors c'est pas le meilleur truc. Mais on voit, en plus il est noir donc. Mais par contre c'est trop beau. Il est tellement agréable, tellement confortable, je kiffe. J'adore vraiment. Agréable. Ensuite nous avons une robe en satin pour changer. Ah oui, celle-ci elle a des épaulettes et tout. Waouh. Bon les gars, j'arrive pas. J'arrive pas, mais de toute façon il y a un truc, ça va pas. On voit de ouf les épaulettes. Genre non, c'est non. Ça prouve bien que le corps n'est pas envoyé avec. C'est juste que les meufs elles sont grave bien formées là. Et on est sur une non-formation de ma personne à ce niveau là. Donc bah voilà. Et non, c'est pas beau, genre je n'aime pas cette robe. Deuxième robe en espérant que celle-ci se soit mieux. C'est une robe rose. Oh putain, mais trop bien. En fait, leurs bustiers, ils mettent un truc antidérapant. Ça, ça fait trop plaisir, genre. Je ressemblais à un petit bonbon. Alors, ça fait une très jolie silhouette, je trouve. Comme vous pouvez voir, il y a le truc qui passe là entre l'arrêt. Dans l'arrêt, quoi. Ça ne va pas dans ta raie, ça se. Oh, t'as compris. Ça passe à ce niveau-là. Et je fais que faire ce signe. Ça me dérange. Plus le fait que ce soit froncé là comme ça, c'est très joli. La couleur est trop belle, c'est satiné. Je la trouve trop mignonne. Hein. On peut la porter du coup très courte comme ça, mais après vous pouvez tirer. Hein. Elle est quand même super extensible. Je la mettrais grave à un mariage, mais je pourrais jamais la mettre dans la vraie vie, même pour aller en boîte. Genre, il y a un nœud sur mes seins. Est-ce que j'ai vu quand j'ai commandé? Comment ça se passe? Par contre, elle est super agréable. À chaque fois que je sais pas quoi penser, il faut que vous m'aidiez dans les commentaires. Non, en vrai, c'est adorable. Ensuite, du coup, on a un truc un peu plus chill. Oh, ça a l'air trop beau. Et il y a le petit bandeau comme ça qui va avec. Mon amour. C'est trop kiki. Leurs pantalons, mais sont tellement confortables. Trop confortables. On est plus sur un bandeau soutif qu'un crop top. Hein. Je suis trop bien dedans. Et je pourrais grave le mettre avec un autre haut. Genre, il est trop beau le pantalon. Ah oui, d'ailleurs, je voulais pas rappeler pour ceux qui le savent pas, mais je fais 1m70, donc vous pouvez voir un peu où ça arrive. Ah, je suis trop contente. Ensuite, alors, je vous ai dit le but des vidéos où je teste les marques, c'est de tester un maximum de trucs. Et j'ai vu du coup que sur Boohoo, ils avaient une catégorie qui s'appelle Boohoo Premium. C'est des trucs qui coûtent plus cher, mais qui sont normalement de meilleure qualité. Là, par exemple, ça a été cousu à la main. J'ai pris ce petit short et c'est un ensemble. Oui, c'est ma nouvelle passion, les ensembles. Il y a le haut qui va avec. Ça va être trop beau. Genre, les manches sont en mèche. Et il y a une énorme fermeture derrière. Je sais pas à quelle occasion je vais pouvoir m'habiller comme ça, mais vraiment. C'est trop beau. Je suis contente parce que j'avais peur que les manches grattent. Parce que généralement, les trucs comme ça en mèche avec des sequins, des bails comme ça, c'est des trucs, ça te gratte, mon pote, laisse tomber. Alors que là, pas du tout. Et le short, là même, en fait, il est doublé. Il y a des poches, genre, trop beau. Genre, moi, je trouve ça magnifique. Avec des talons et tout, là. Vas-y, là, mes potes, mariez-vous. J'ai plein de tenues, là. Il faut que je puisse les mettre. Ensuite, une robe qui n'a rien à voir. J'ai pris une robe chemise comme ça, un peu en. Enfin, c'est pas un peu, c'est carrément, vous savez, en enduit. En jean enduit. En fait, je vais la mettre avec une grosse ceinture, genre. Bon, c'est pas du tout avec une ceinture comme ça que je voulais mettre, mais j'ai pas de ceinture qui me sert ma taille. Je trouve ça trop beau. Un peu en jean enduit comme ça là. Je suis avec des baskets ou des bottines chaussettes. Trop beau. Je kiffe, ça change. Et je tente trop des choses. Hein. Je suis désolée, je tente trop des choses aujourd'hui. Du coup, j'ai remis le petit débardeur parce que je le trouve trop mimi et on va essayer tout ce qui est les accessoires et tout. J'ai pris des chaussures comme ça blanches. Elles sont trop belles. J'ai archi mal l'habitude de marcher avec des chaussures style mule, donc où il n'y a pas d'attache derrière. Mais je les trouvais trop belles, je les voulais trop. Elles sont canon. Genre vraiment trop trop belles. Elles sont trop belles. Je sais pas si vous voyez, mais en gros, le bout, il est un peu carré comme ça. Trop beau. En fait, je pensais que le fait qu'il y ait rien qui attache derrière, ça allait changer quelque chose, alors que pas du tout. J'arrive très bien à marcher avec, zéro souci. Ah merde. Putain, mais je suis trop con. J'ai pris deux fois les mêmes, mais pas la même couleur. En noir et en nude. Bon bah, vous savez quoi, je vais mettre un pied de chaque. Oseille, non. Elles sont archi belles. Bah, Oseille, t'es devant là en fait. Les gens, ils voient pas, bébé. Zou. Zou. Elles sont trop canon. Elles sont vachement agréables, genre trop belles. Après en accessoire, du coup, j'ai pris des cachetons parce que les gars, la dernière fois, je suis allée à Etam pour m'en acheter. C'était 7 euros. Les deux. Les deux. 7 euros. Faut arrêter à un moment donné. Du coup, j'en ai pris des noirs et des nudes. Et il y en a 5 à l'intérieur. Enfin, 5 paires. Donc, pète sa mère. Vous savez, ma passion pour les lunettes de soleil. Les gars, ça fait 1000 ans que j'en cherche des sympas, genre jaunes. Elles sont trop trop belles. Je les kiffe. Et je kiffe jaune. J'adore. En fait, ils ont tellement d'accessoires. J'ai galéré à choisir. Afin de rentrer dans la petite mode des barrettes, j'ai pris cet ensemble là comme ça, trop beau. Et au niveau des bijoux, j'ai pris ces boucles d'oreilles. Genre c'est un soleil et des lunes qui pendent, j'adore. Elles sont canons, j'adore de ouf. Et j'ai pris aussi des créoles mais carrées. Parce que vous savez que je mets des créoles H24. Je vais vous montrer. Il y a celle-ci. J'adore. Elles sont trop mimi. Oh, j'aime trop. Il y a le soleil devant et c'est la lune qui est derrière en fait, qui est sur la tache de derrière. Trop beau. Trop beau aussi pareil. Bah du coup des créoles mais carrées. Oh, ça change. Je kiffe. Bon, une ça fait bizarre mais esquiver cette partie de mon visage. Trop belle, je les trouve trop trop belles. Oh, je suis trop contente.
contente. Bon bah voilà, j'ai l'impression que ça fait 2 heures que j'essaye les vêtements. Les gars, c'était trop beau. Bon, on a eu quelques déceptions, hein, vous avez vu, mais sinon, trop beau. Au niveau de la qualité, du coup, franchement, c'est ce qu'on a l'habitude de voir. C'est ni mieux, ni moins bien. Genre, c'est exactement la qualité qu'on a l'habitude d'avoir dans les autres magasins, quoi. Je suis trop contente. Là, ça y est, je n'achète plus de vêtements pendant 8 mois. En tout cas, j'espère que vous aussi, ça vous a fait plaisir, que vous avez eu des trucs qui vous plaît et tout. Je vous rappelle que vous avez mon code promo Marine. Pourquoi à chaque fois je l'oublie alors que c'est que Marine? Avec du coup le code Marine, vous avez moins 20% du 11 au 25 sur tout le site entier. Tout le site. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi d'autres marques que vous avez envie que je teste, pareil comme ça, où je prends vraiment un peu de tout ce qu'il y a sur le site. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.